Et bonjour à tous pour ce 18e épisode de Back to the 2000, où j'essaye donc de revenir 10 ans après à mon classement de 2000 Elo Feed. On analyse la 7e ronde du championnat de Paris. Donc je suis à 3 sur 6, mais avec une partie où j'étais exempté, donc réellement 2 sur 5. La ronde précédente, on a vu une belle miniature contre un 2076. Là, donc je rencontre Jérôme Guillaume Dorel, 1974. C'est une partie du matin, donc j'ai eu le temps de me préparer un petit peu le soir. Et pas beaucoup de parties, très peu de parties, des parties qui étaient même pour beaucoup d'entre elles assez anciennes, où je voyais qu'il jouait dans les années 90, il jouait E4. J'ai pas eu de partie jusqu'à très récemment. Et on a eu des parties avec le système de Londres. Donc je m'attends à D4, et je sais que c'est un joueur de E4. Donc, je prépare ce que je joue d'habitude contre D4 et contre le système de Londres. Donc, ici, on m'a déjà vu jouer des parties où je suis prêt à jouer des schémas, on va dire, à base ici de cavalier D7, H3, et on joue E5 rapidement. Et ça, c'est correct pour les noirs, et c'est plutôt assez sympa à jouer par rapport à d'habitude où on a position assez recroquevillée. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où taper dans la position blanche. Ça, c'est plutôt agréable à jouer. Donc, j'aime bien jouer ce schéma-là contre le système de Londres. Et là, il me joue E4 parce que c'était un joueur de E4. Et il m'avoue après la partie que contre les gens qui jouent les anti-système de Londres, un peu sur D4, D6, eh bien, il préfère rentrer dans une moderne. Donc, moi, ça fait partie de mon répertoire, je joue G6. Mais c'est quand même une concession, parce qu'on m'a vu sur le début du championnat de Paris que je jouais maintenant plus la moderne, mais la sicilienne hyper, enfin le dragon hyper accéléré. Et que donc là, je suis obligé de jouer quelque chose de mon ancien répertoire. Alors, c'est pas un drame, hein, mais dans l'idée, c'est que pour l'instant, il va falloir que je jongle avec le fait qu'on peut, voilà, on peut un peu me dribbler sur l'ordre de coup des ouvertures pour me forcer à jouer le moderne. Donc la question c'est est-ce qu'il va falloir que j'accepte et de travailler des vrais systèmes de Londres à base ici de je sais pas si je vais jouer des D5, si je vais jouer C5, voilà, ou G6, ou accepter de jouer des systèmes est-indiennes comme ça, G6, D6, F ou G7, petit roque, et de voir comment ça se passe, mais je sais plus exactement le même schéma qu'avant. Donc soit il faut que j'essaie de travailler ça, soit il faut que j'accepte que des gens vont me jouer la moderne. Pour l'instant, mon choix n'est pas totalement en fait. J'hésite pas mal entre ces options-là. Mais pour ce tournoi-là, en tout cas, je suis confronté à devoir jouer une moderne alors que je ne la travaille plus beaucoup. Bon, j'ai quand même l'expérience dessus, donc je me dis, on va quand même regarder. G6, cavalier C3, fou G7, fou E3. Bon. Et c'est quand même l'une des raisons pour lesquelles je voulais un peu arrêter de jouer la moderne, c'est que ces systèmes à base de fou E3, dame D2, F3, G4, H4, etc., il y a beaucoup d'ordres de coups qui sont potentiellement assez compliqués avec les noirs. Et donc j'avais pas mal retravaillé ce triple à une époque, mais c'est vraiment. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément super intuitives. Et donc je trouvais que ça commençait être un peu trop difficile pour moi, je trouvais. Donc c'est pour ça qu'à l'époque j'avais changé. Donc là, je vois fou E3, je me dis, bon, pas exactement ce que je recherche. Ok, A6, quel est le système que je joue contre fou E3? Dame D2, B5, F3, protège déjà E4, parce que sinon je vais vouloir jouer fou B7, menaçant B4, donc il anticipe déjà ce genre de choses-là. De toute façon, ça fait partie du setup classique avec la batterie fou E3, dame D2, cavalier D7. J'essaie de garder le fou sur cette diagonale parce que j'aimerais bien l'échanger contre un cavalier qui arriverait sur la case H3. Et de toute façon, le cavalier ici prépare C5. Il joue H4. Et là, je m'étais rappelé que dans ce genre de schéma-là, quand il joue H4, c'était le bon moment pour commencer à jouer cavalier GF6. Même si ça me gêne un peu de bloquer le fou ici quand je prépare C5. Mais bon, c'est ce que j'avais comme souvenir. Grand roque. Et là,
Il faut que je commence à essayer de faire un peu de place pour le cavalier ici pour qu'il aille en D7. Donc dans ce cas-là, on fait un petit échange, on joue cavalier en B6 ici. Et avec l'idée, c'est que quand il jouera un jour G4, G5, j'aurai toujours la case D7 pour le cavalier qui répare C5. Et là, il joue fou H6. Et normalement, fou H6, dans beaucoup de lignes, c'est pas un énorme problème. Souvent, c'est plutôt un peu mieux de le retarder. Ok, donc je prends. Et l'idée, c'est que sur dame G7, j'ai toujours tour G8. Et la dame, elle devra repartir d'où elle vient. Alors, je pourrais certes plus roquer, mais au moins, mon roi n'est pas menacé pour l'instant. Qu'est-ce que les noirs ont en compensation? Les noirs, ils vont pouvoir jouer E5 à un moment, alors pas tout de suite. L'idée, ça va être de jouer cavalier ici et de jouer E5. Et comme ça, ils joueront avec une structure sur case noire, sans le mauvais fou qui est en G7. L'autre aspect aussi, c'est que la dame, elle a perdu un temps pour venir ici, et pas sûre de savoir ce qu'elle fait. Donc peut-être qu'elle va devoir perdre un autre temps pour revenir. Et il n'a pas fini son développement. Et il a un roi qui est encore pas totalement à l'abri. Donc c'est une position assez complexe, assez dynamique, et sur laquelle il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc moi là, je joue B4. J'essaie de déstabiliser un peu son cavalier. On voit que son cavalier n'a pas le rebond ici. Il pourra aller en B1. Il préfère venir en E2, où il pourra rebondir peut-être en G3 ou en F4. Mais par contre, ça bloque la diagonale du fou, où le fou aurait pu développer ici ou là. Ouais, c'est pas. En fait, le cavalier B6, même s'il bloque un peu une partie de mon jeu, il prend des cases, ici et ici. Je vais pouvoir faire cavalier C3, mettre la pression ici, voire cavalier C3 dans certains cas. Donc, il faut qu'il trouve encore un placement de pièce pour le cavalier. C'est une position assez bizarre, hein. On ne respecte pas totalement les principes des ouvertures. C'est une ouverture qui tient un peu sur un fil pour les noirs, basé sur des concepts assez surprenants ici. Et là, je prends une bonne réflexion. Et j'essaie de comprendre exactement comment faut que je me développe. Donc, E5, pas possible, hein, parce que ça s'est cloué. C5, il y a le même problème. Et ici, j'ai peur, hein, sur cavalier D7, j'ai peur de perdre un pion en base de dame G7. Tour F8 et la prise en H7. Donc ce que je fais, c'est que je décide de continuer un peu mon attaque. Pardon, c'est pas comme ça. Voilà. A5. Il y a plusieurs idées. Ben, ça prépare la poussée des pions. C'est une attaque en deux rocs, entre guillemets, opposés, parce que moi j'ai pas encore roqué, mais son roi est placé sur la dame. Il est normal que j'avance mes pions. Deuxième idée, c'est que ce fou, je vais peut-être le mettre en A6, où je vais pouvoir finir mon développement. On imagine fou A6, dame D7 et grand roque, peut-être. Et puis, comme ces pièces, elles sont amassées à l'aile roi, mon roi à l'aile dame, même si mes pions sont avancés, ça ne me posera pas de problème. Donc voilà, c'est pour rester relativement souple, et je pense que c'était la bonne option ici de jouer A5. Il joue G4. Donc voilà, lui, il montre ses velléités offensives. Et je vais continuer mon plan. Fou A6. Voilà, continue le développement. Hein, ça fait partie du plan que j'avais. Et ici, il joue H5. Et c'est vrai que ben, c'est menaçant, mine de rien. Parce que ça attaque plein de choses. Hein. On voit que, par exemple, sur pion prend, je serai obligé de faire F prend, et ça affaiblit quelques cases autour de mon roi. Si je prends G5, cavalier bouge, tour prend, ça c'est faible. Ok, c'est pas facile. Alors, j'ai joué ici tour G8. Ça me paraissait logique de sortir de cet alignement qui en est le couage et puis de dire bon ben sur pion prend maintenant tour prend. Tour prend ou H prend a priori possible, mais j'avais potentiellement vu ça. Ouais, H prend peut-être un peu plus fort. Mais voilà, au moins je me sors de ces difficultés-là.
Il joue E5. Ok. Ben, cavalier ici. Et là, c'est vrai que c'est compliqué parce que. Parce qu'il y a peut-être ça qui est en l'air. Il va y avoir des thèmes à base de E6 aussi qui vont tomber un jour ou l'autre. Hein. Ça paraît un peu prématuré parce que l'idée justement aussi de tour G8, c'est que sur ça, ben au moins je défendais. Maintenant, la tour, elle défend le pion. Mais voilà, c'est ce genre de complication qu'il peut y avoir. Donc lui, il prend. Et là, j'ai l'impression d'être archi, archi, archi foutu. Parce que la tour, si je vais en F8, il y a juste la prise là. Bon, ici, j'ai joué roi F8, mais en me disant, c'est un désastre. Et d'ailleurs, ça va très, très mal se passer. Ici, l'ordinateur a un coup qui est assez fantastique, même si en fait assez thématique. C'était un truc que j'avais quand j'avais travaillé à Moderne, où je savais que c'était un coup potentiel de défense, mais je voyais d'autres scénarios où ça passait. Mais en fait, ici, les Noirs ont l'extraordinaire roi D7 qui défend. Et c'est encore très, très, très compliqué. Alors ici, probablement, ce qui me faisait peur, c'était d'un prend, etc. Il fallait s'imaginer qu'il y avait assez de jeu. On voit qu'il y a ça. Mais en fait, le roi bouge et il n'y a pas de problème. Alors, il y a quelques coups avant. Ici, en fait, le coup le plus fort, d'après l'ordinateur, c'est roi D7. Tour G8 va. Mais c'est un peu plus clair de comprendre pourquoi roi D7 est plus fort ici. C'est que je lâche pas tous ces pions par rapport à ce que j'avais pu laisser dans les autres lignes où je lâchais ça. Alors ouais, ça fait super peur, mais en fait, comme je disais, assez relativement classique dans la moderne. Il faut connaître en tout cas quand on joue la moderne ce genre de plan-là. Mais d'habitude, il y a un petit avec un pion ici en général. J'avais travaillé ce genre de choses-là. Et là, le roi est assez solide. Ici, j'avais peur de la diagonale là. Hein, parce que j'ai calculé quand même un petit peu à ce moment-là, roi D7, hein, parce que, comme on me disait, hein, il y avait quand même des menaces. Mais là, j'avais très peur de fou H3. Et en fait, il ne faut pas avoir peur. Pas avoir peur, il y a. Alors, sur roi C6, j'avais calculé G5, et en fait, il y a juste cavalier FD7. Et on va se cacher tranquillement ici. À noter hein, que ici, hein, c'est suffisamment défendu par la dame et la tour, donc on peut reprendre du pion H. Donc oui, roi D7, ou H3. Il y a aussi un coup incroyable qui a la même idée, hein, c'est roi C6. Avec toujours l'idée d'aller en B7, peut-être pour aller en A7. Mais ici, on ne se met même pas sur une découverte. Donc on tient encore plus de cases. Et genre D5, roi B7. Incroyable. Et ça va. Donc, voilà ce que j'ai raté. J'ai eu un peu peur du chemin qu'allait parcourir mon roi, mais en fait, c'est ça le bon plan. Donc, faut calculer plus, hein, faut calculer plus, parce que c'est vrai qu'un roi qui se balade en C6, se dire que c'est son chemin le plus fort, c'est quand même pas évident. Et ce qui montre, hein, c'est aussi pourquoi j'ai voulu un peu changer de la moderne, c'est que pour que ce genre de variante tienne bien, eh bien, il faut accepter de jouer un roi D7, suivi de roi C8 ou roi C6. Ouais, voilà. Donc, on reprend la partie, tour G8, E5, cavalier, FD5, prise en H7, roi F8, qui est le coup perdant. Prise, tour prend, et E6, évidemment, supprime le défenseur de la tour. Dame E8 pour essayer de tenir tout ça. Déjà, j'ai un pion de moins, on pourrait déjà considérer que l'échange des dames est largement en faveur des blancs, mais il va continuer à me poser beaucoup de problèmes. Ici, le petit mouvement de pièce pour pouvoir replacer ma tour sur une moins bonne case. Et on continue cavalier G3. Je prends E6, cavalier H5. Cette pièce-là est perdue. Dame G6, il gagne une qualité. Bon, c'est perdant, c'est perdant.
Il y a une qualité nette. Qualité nette, j'ai pas le jeu qu'il faut, ok, j'ai des pièces mineures un petit peu placées, mais clairement ça suffit pas. Donc après j'ai joué par inertie, hein, comme on dit, pour essayer de voir au cas où s'il y a une faute. Donc il continue d'échanger les pièces, il a une qualité de plus, il a raison. Tour au 1, met de la pression sur le 6. Ici. Je continue à essayer de juste d'activer mes pièces. Juste mon objectif, c'est, je sais pas, tour prend. Bah, d'ailleurs, ce qui s'est passé, tour prend, cavalier E3, je me dis, allez, tour C6, mettre la pression là, pousser les pions pour créer des faiblesses sur le roi. Bon, il joue cavalier E2, hein, il y a pas de problème. Ici, j'ai pas joué tour C6. Parce que je crois qu'il n'y avait juste pas réellement de menace. Hein. Je crois juste C3. Prise, prise. Et je peux pas. En fait, je peux pas réellement prendre ici. Il y a beaucoup de lignes où je perds en fait juste sur échec de temps en temps. Hein. Sur échec et ici. Et voilà, ça c'est finito. Je me dis ok, je peux pas jouer tour C6. J'ai joué roi F7 avec l'idée de dire ok, comme il y avait de la pression sur le cavalier et sur le pion, essayer de faire quitter la case. Il joue l'excellent cavalier F4. Évidemment, si je prends ici, il prend ici. Donc j'ai joué cavalier prend C2. Mais bon, il joue cavalier prend D5. Je ne peux pas reprendre ici à cause de la fourchette. Merci, au revoir. Bilan, c'est que c'est pas facile à jouer à la moderne. Que l'ouverture s'est mieux passée que ce que je pensais, mine de rien. Mais que pour que ça tienne, il faut avoir de s'entendre des coups incroyables comme roi D7 là. Et que il faut bien calculer ces lignes à base de découverte sur le roi, que les pièces sont trois massées ici et que non, on est quand même bien placé et que voilà, on n'est pas tant en danger que ça, bizarrement. Voilà, assez par contre, ça a été assez un gros coup au moral sur la tête parce que ça m'a fait lire, mais un, ben, la moderne c'est compliqué en ce moment pour moi, et deux, ben, quelqu'un qui veut m'embêter en ce moment, ben, il joue D4, hein. Il joue D4, D6, E4. Donc une grosse décision à prendre et du travail en perspective. Autant qu'il y ait une ronde l'après-midi. Merci beaucoup et à la prochaine.